La première famille des méthodes d'évaluation des entreprises, c'est les méthodes patrimoniales. Donc, ce sont les méthodes patrimoniales. Donc, ces méthodes généralement sont fondées sur le bilan. D'accord? Donc, on évalue l'entreprise à partir de ce qu'elle a. On évalue l'entreprise à partir de ce qu'elle a et non pas à partir de ce qu'elle fait. Donc, en se basant sur les bilans et particulièrement donc sur les éléments de l'actif et sur les éléments de passif. Donc, les principales notions donc de cette méthode ou de cette famille des méthodes, nous avons la méthode de l'actif net comptable, la méthode de l'actif net comptable corrigé. Nous avons la méthode des capitaux permanents nécessaires à l'exploitation et la méthode de la valeur substantielle brute. Donc, l'ensemble de ces méthodes donc permet d'évaluer l'entreprise ou de donner une valeur estimée théorique à l'entreprise à partir des éléments de l'actif et du passif qui composent son bilan comptable. La première méthode, c'est la méthode de l'actif net comptable. C'est la méthode de l'actif net comptable. Donc, il est généralement défini comme la différence entre l'actif réel et les dettes réelles du bilan de l'entreprise. Donc, c'est la différence entre l'actif réel et les dettes réelles de l'entreprise. Donc, la valeur de l'entreprise, elle correspond bien sûr à ce que l'entreprise, d'accord? À ce que possède l'entreprise, les éléments de l'actif et ce qu'elle doit, ce qu'on appelle le passif exigible. Donc, la valeur de l'entreprise correspond à la notion de l'actif net comptable. Alors, qui est la différence entre ce que possède l'entreprise, donc ce qu'elle a, donc les éléments, ce sont les éléments de l'actif de l'entreprise, les immobilisations, les stocks, les créances clients et les éléments de la trésorerie, moins les dettes réelles ou ce qu'on appelle ce que doit l'entreprise. Donc, ce qu'on appelle les dettes réelles. Donc, c'est pas la totalité de son passif, mais c'est juste les dettes réelles. Donc, ce que doit l'entreprise, bien sûr, à ses partenaires ou à d'autres entreprises, à l'État, aux organismes sociaux, aux fournisseurs, etc. Donc, à quoi correspond exactement l'actif réel? Donc, l'actif réel, tout ça, c'est le total de l'actif net. C'est pas l'actif brut, c'est l'actif net qui correspond exactement à l'actif brut, moins les amortissements et les provisions, égale l'actif net, moins l'actif fictif. Que représente l'actif fictif? Ce sont les immobilisations, ce qu'on appelle les immobilisations en non-valeur. C'est la rubrique 21 du plan comptable. Donc, il faut éliminer tous ces éléments de l'actif fictif. Donc, pour les dettes réelles, donc c'est le total des dettes, les dettes à long et moyen terme, les dettes à court terme, donc plus les provisions pour risque et charge. Pourquoi il faut ajouter les provisions pour risque et charge? Donc pas la totalité des provisions, mais c'est juste les provisions non justifiées. Donc les provisions non justifiées doivent être considérées comme des réserves et intégrées dans les capitaux. Donc, parce que tout simplement, normalement, ce sont des réserves que l'entreprise elle a le droit de mettre de côté pour faire face à certains risques ou charges prévisionnelles. Plus les dividendes, donc les dividendes, ce sont des dettes que l'entreprise bien sûr donc estime à octroyer à ses actionnaires. Moins les écarts de conversion passifs. Moins les écarts de conversion passifs parce que ce sont des gains latente de change. Ce sont des gains latentes de change. Donc, je reviens à la méthode. L'actif net comptable, c'est l'actif réel moins les dettes réelles. C'est l'actif réel moins les dettes réelles. Alors, on peut également déterminer la valeur de l'entreprise à partir directement des capitaux propres, mais après la répartition des résultats de l'exercice. D'accord? Pour qu'on puisse bien sûr les dividendes, d'accord?
dans la méthode de calcul. Donc, l'actif net comptable, c'est les capitaux propres moins l'actif fictif. Donc, l'actif fictif, il est déduit à partir donc des éléments de l'actif et aussi du passif. Donc, il faut déduire l'actif fictif, des capitaux propres, mais aussi des éléments d'actif, plus les écarts de conversion passif. Donc, il faut les intégrer aux capitaux propres, comme on a expliqué, parce que ce sont des gains latents, moins les dividendes, parce que ce sont des dettes que l'entreprise estime à octroyer à ses actionnaires. Donc, voilà donc une présentation sommaire de la méthode de l'actif net comptable. Nous avons le capital de la société FPBM et de 7 500 000, de valeur nominale 100 dirhams. L'extrait du passif du bilan au 31-12-N avant la répartition. Donc, nous avons les réserves 150 000, résultat 50 000, total des capitaux propres 950 000, total des dettes 440 000, le total actif de l'entreprise est de 1 500 000 dirhams et comprend les éléments suivants. Nous avons des frais d'établissement 8 000, des charges à répartir sur plusieurs exercices de 7 000, des provisions pour risques et charges liées à un procès dont l'issue devrait être défavorable à l'entreprise, 110 000 dirhams. L'entreprise prévoit de distribuer un dividende de 10 dirhams par action. On vous demande de calculer le montant de l'actif net comptable à partir des deux méthodes. Donc, c'est-à-dire des deux méthodes, à partir des capitaux propres et à partir, bien sûr, de la différence entre les réels et les dettes réelles, et également à partir des capitaux propres. L'actif net comptable, c'est l'actif réel moins les dettes réelles. L'actif réel, c'est le total actif de 1 500 000, duquel je vais retrancher l'actif fictif et les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc, 1 500 000, moins 8 000 et moins 7 000. Donc, pour ce qui est des dettes réelles, les dettes réelles sont constituées par le total des dettes que l'entreprise dispose, plus les provisions pour risques et charges, plus les dividendes, moins les écarts de conversion passifs, si nous avons des écarts de conversion passifs. Donc, le total des dettes de l'entreprise est de 440 000, plus les provisions, 110 000, plus 2 dirhams multiplié par 175 000. 175 000 actions. D'accord, 2 dirhams multiplié par 175 000 dirhams. Donc 175 000 actions multipliées par 2. Donc ça nous donnera 150 000. Donc c'est le total des dettes de l'entreprise. Donc par la suite, je vais faire la différence entre l'actif réel et les dettes réelles. Donc la différence c'est 785 000 dirhams. Ou autrement, je peux les déterminer directement à partir du total actif. Donc le total actif que j'ai c'est 1 500 000 dirhams, moins 8 000 l'actif fictif, moins 7 000 des charges à répartir, moins les dettes 440 000 dirhams, moins les provisions pour risques et charges 110 000, moins les dividendes à payer, c'est 2 dirhams multipliés par 75 000. Action égale 150 000. Donc la différence donc de ces éléments, total actif moins l'ensemble des éléments à retrancher, c'est-à-dire l'actif fictif moins les dettes, égale 785 000 dirhams. Voilà la valeur de l'actif net comptable corrigé déterminé à partir du total actif. Méthode de l'actif net comptable. Donc nous avons ici le même principe que la première méthode de l'actif net comptable. Donc la différence qui existe est que les valeurs
ou que les éléments de l'actif et les éléments et les dettes sont évalués à leur valeur actuelle. D'accord? Sont évalués à leur valeur actuelle ou à leur valeur réelle qu'on prend en considération. Donc, la méthode ou la valeur de l'actif net comptable corrigé, donc, on par la suite, ce qui nous donne aussi une évaluation de l'entreprise, la valeur directe de l'entreprise, c'est l'actif net comptable qu'on a déjà déterminé, plus au moins la valeur de réévaluation. Comment déterminer la valeur de réévaluation? C'est la valeur réelle ou la valeur actuelle moins la valeur comptable. C'est la valeur actuelle moins la valeur comptable. Donc, si la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable, dans ce cas-là, nous avons une plus-value à ajouter à l'actif net comptable. Si on a le cas contraire, c'est-à-dire la valeur réelle ou la valeur actuelle, elle est inférieure à la valeur comptable. Et dans ce cas-là, nous avons une moins-value qu'il faut la retrancher. Donc, la valeur de l'entreprise, elle correspond à l'actif net comptable corrigé, qui est égal à l'actif net comptable, plus au moins la plus-value. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire la valeur de réévaluation. Il est déterminé par la différence entre la valeur réelle et la valeur comptable de l'entreprise. Donc, reprenons le cas de l'entreprise, de l'exemple précédent. Les valeurs comptables et actuelles des actifs immobilisés sont les suivantes. Nous avons l'actif immobilisé, les frais de recherche et développement, terrain, construction, matériel et outillage, autres immobilisations corporelles et total actif immobilisé. Nous avons les valeurs comptables et la valeur actuelle des éléments. L'entreprise a réévalué ses dettes à long terme à 300 000 contre une valeur comptable de 280 000. L'entreprise utilise un bien en crédit-bail d'une valeur de 60 000. Le contrat a été conclu début de N-2 pour une durée de 5 ans. La redevance annuelle est de 9 000 payable d'avance. C'est-à-dire au début de chaque année. Le taux d'actualisation retenu est de 10%. On vous demande de calculer le montant de l'actif net comptable corrigé. Donc, tout bien sûr en utilisant ce qu'on a trouvé au niveau du premier exercice ou de la question précédente. Encore pour continuer la réponse à cet exercice. La valeur réévaluée des biens de crédit bail, donc en location, comment on procède? Donc, lorsque la valeur d'usage du bien est supérieure à la somme des loyers dus, d'accord, et de l'indemnité de rachat qui sont actualisées, la plus-value potentielle est intégrée à l'évaluation. D'accord? Donc, c'est la différence entre la valeur de l'immobilisation qui est de 60 000, moins la somme actuelle des paiements restants dus et l'indemnité de rachat. Nous sommes maintenant au 31-12, donc c'est-à-dire c'est le début de l'année suivante, donc nous avons 9 000 à payer au début de l'exercice, donc c'est-à-dire rien à actualiser, plus 9 000 à payer en N plus 1, c'est-à-dire une année, à la fin de l'année N plus 1, ou au début de l'année N plus 1, à la fin de N plus 2, 9 000, donc c'est 1,1 à la puissance moins 1, et à la levée du contrat, c'est-à-dire à la fin de N plus 2. Donc c'est-à-dire 8 000 multiplié par 1,1 à la puissance moins 2. Donc, le total, c'est 23 793. La réévaluation du crédit bail est donc égale. C'est 60 000 moins 23 793 égale 36 207. On va maintenant procéder à réévaluer l'ensemble des éléments composant l'actif.
Donc, les frais de recherche et de développement. Donc, nous avons une plus-value de 30 000. Pour les terrains, une plus-value de 20 000. Les constructions, une plus-value de 40 000. Matériel et outillage, il n'y a pas de plus-value. Donc, la différence est égale à zéro. Autre immobilisation corporelle, nous avons une moins-value de 15 000. Donc, pour le crédit bail, donc, on va prendre la différence entre les 60 000 et la somme actualisée des paiements restants. Donc, c'est une plus-value de 36 207. Et les dettes financières, il y a bien sûr une augmentation. Donc, nous aurons une moins-value de 20 000 dirhams. Donc, l'actif net comptable corrigé, c'est l'actif net comptable de 785 000 plus les plus-values, moins les moins-values. Et si on a des économies d'impôts à ajouter, et si on a des impôts latents, d'accord, il faut bien sûr les retrancher. C'est ce qu'on appelle les impôts différés. Donc l'actif net comptable corrigé, c'est 785 000, plus 30 000, plus 20 000, plus 40 000. Plus 0, moins 15 000, plus 36 207, moins 20 000. Le total de l'actif net comptable corrigé égale 876 207. 876 207.